Hey, 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 cucu et petit cul, bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Aujourd'hui, nous sommes mardi, nous sommes en été, jour 3 sur 14, la canicule est annoncée, aïe, 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 aïe. Et je vous annonce que j'ai instauré les vacances d'été pour nos petits Sims, donc pendant une semaine, ils vont être en vacances, donc on va pouvoir partir tranquillement bah, en vacances, hein, toute la famille, et puis je pense qu'on va rigoler, parce que ça va, y en a qui vont grandir là-bas et tout ça, donc ça promet d'être sympa, il y a des petites nouveautés aussi. Ouais, vous voyez que les cheveux de Monsieur Florent ont poussé, parce que on va dire que bientôt on va arriver aux années 70, et les années 70, c'est les cheveux longs pour tout le monde, y compris les garçons. Du coup, bah, nos garçons, c'est-à-dire Florent, et Joseph ont une coupe de cheveux un peu plus longue. Eh ben oui, le soleil, l'été, tout ça, ça fait pousser les cheveux. C'est comme ça. Regardez comme il est beau, le petit Joseph. Je vais du coup changer aussi. Alors, il y a quelques tenues qui ont changé entre-temps, évidemment, puisqu'on a changé un peu de coupe de cheveux. Il a un pyjama un peu plus cool, on va dire. Hein, voilà, il a abandonné. Il a dit, non, moi, je veux plus de peignoir, ça suffit. Nananani, moi, je suis un jeune, je suis dans le move. Avec la belle Geneviève. Mais Geneviève, tu devais manger, cocotte! Oh, mais qu'elle est bête! Ah, et puis Florent va. Oh, bah, ça va, tout le monde est levé, ça y est. Ah, bah, le truc à prout-prout, ça va y aller. Ça va être sympa. Florent, il va embaumer son boulot. Alors, regardez ses cheveux comme ils ont bien poussé. Voilà, voilà. Ah, on y va tout doucement, mais sûrement. Et bientôt, les années 70. Wouhou! Alors, les amoureux, petit déjeuner en tête à tête. Tranquillement. Ouh, il fait très chaud aujourd'hui, chérie. Oh oui, je le sens. Tu es chaude comme la braise, mon amour. Conversation profonde. Tu vas faire un petit peu de gringue à ta femme, non? Quand même. Tu vas envoyer à baiser. De toute façon, on n'a pas le temps de faire crac-crac, il va aller au boulot. Donc, bon. Lui aussi, il sera en vacances ce soir. Et c'est pas plus mal. Pendant que la petite Nadine est en train de... Voilà, elle vagabonde, la choupette. Oh, mais regardez ça. Les fleurs de lys, là, elles sont qualité parfaite. 1200 simflouz. 2000 simflouz. 2000 simflouz. 1600. 1600. Oh là là, Pierre Nard, tu nous as tellement régalé. Les mufliers, ça donne moins de thunes. Hein. Non, c'est... là, c'est encore déjà 5670. Attendez, c'est... Non, c'est eux, c'est pas des mufliers, qu'est-ce que je raconte, moi? Les jacinthes, hein? Ah, ça, c'est vachement plus fluctuant pour les jacinthes, alors que ça, c'est des fleurs de lys. Je sais même plus ce que j'ai dit. Enfin, bref, voilà. Je l'ai fait travailler tôt au jardin, à la petite Gigi, parce que sinon, si elle en a pour jusqu'à minuit, et que ça nous coupe les revenus du jardin, ça va pas le faire. Donc voilà. Mais bon, on va encore gagner plein de sous, ça c'est bien. Oh, non, Gigi! 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 Attends, hey, c'est quoi tous tes trucs? Non, tu vas pas avoir de l'eau, tu vas juste te changer. Tu vas te mettre en tenue d'été. Alors, tu vas te mettre celle-là, tiens. Qu'on te voit à quel point tu es belle, magnifique, ma jolie. Voilà, regardez-moi la Gigi. En mode un petit peu, un tout petit peu hippie. Mais vraiment, juste le bord. Alors, tu vas revépuiser des insecticides. Oui, je sais, il fait chaud, ma jolie. Mais t'es en tenue d'été, donc tu peux plus crever de chaud. Eh, elle est bien conservée, ma Gigi, quand même, hein. Hein, qu'elle est belle. Ah là 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 là. Le popo, le popo, le pognon. Le popo, le popo, le pognon. Le popo, le popo, le pognon. Ah bah c'est tout. Eh ben on n'a pas gagné tant que ça. Eh ben moi pas comprendre. Moi pas comprendre, Gigi, tu veux faire quoi? Non, tu discutes pas avec Daichi, elle dit. Il est là pour faire le ménage et tout, hein, pas pour discuter avec toi. Comment je suis biatch. Allez, on va, elle va peindre un petit peu, voilà, histoire de gagner un petit peu de skills et tout. De toute façon, la petite, elle fait dodo, donc voilà, on n'est pas obligé de s'en occuper pour l'instant. Joseph, doit-il inviter sa camarade Denise? Ben oui, oui. Ah ben il y a deux Denise. Alors, voilà, ça fait du monde. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu fais le BG là? C'est oui, c'est notre cousine. Bon, les gamins sont déjà revenus. Ben oui. C'est les vacances, les gosses! Vous devriez être contents, non? Oh là là! Oh, 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 oh! Non, 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 non! Mais je crois que t'étais dans ta tenue d'été, toi, Cocouyou, là. Alors, t'en as deux aussi. C'est vrai que j'en ai rajouté entre-temps. Allez, tu vas te mettre celle-là. Change-toi, mon beau Joseph! Je ne veux pas que tu meures.
Ce serait quand même pas cool, quoi. Tu vois? Enfin, je veux dire, quand même. Voilà, et puis vous voulez voir un peu la nouvelle tenue. Enfin, c'est juste qu'on l'a pas vue la dernière fois, il me semble, cette tenue-là de Geneviève. Voilà, hein. Typique, on va dire. Bon, j'y pense. C'est les vacances, tout ça. Tu vas aller manger un truc, tu vas épicer. Tu pourrais. On va faire le tour un peu de tes connaissances. Ah, alors, Elisabeth Smith, tu vas l'inviter. Jacqueline, tu vas l'inviter. C'est Jacqueline comment? Jacqueline Lee. Julien Mace. Bon, après, Manon Chevalier, tu vas inviter. Elle est très jolie, Manon, il a l'air. Après, là. Oh, encore une Monique. Une Caroline. Audrey, non. Tout ça. Lui, on l'avait déjà vu. Rosa. Rose... Ah bah il y a trop de choses à faire déjà. Puis elle, on l'a vu, j'aimais pas trop. Il y a Jeanne et Jonas. Bon bah ça va, t'as quand même un bon palmarès, mon petit. Meurs de chaud. Mais arrêtez de tous mourir de chaud. Mais changez-vous, je sais pas. Changez de tenue. Ah, il faut leur dire, tiens, je vais te mettre à... Je leur ai mis deux tenues à quasiment tous pour les tenues de temps chaud. Sauf les petits, les enfants, en fait. Ah voilà, oui, cette tenue-là est trop sympa. Va manger, ma belle, et on va regarder aussi. Qui tu as en connaissance masculine, un peu. Oh, Philippe Martin. Il n'a pas l'air mal, celui-là. Louise Aragon. Ouais. Lisa de Monte. Bon, ça, c'est pas... Ouais, c'est pour, aussi pour son frère, on hein, peut toujours dire. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de garçons, ou c'est moi? Il y a encore des enfants. Ouais, bon, elle n'a pas beaucoup de garçons. Ok. Toi, est-ce que tu as des connaissances? Un petit peu, on va voir comment ils grandissent. Bon, de toute façon, on s'intéressait surtout pour les ados. Ah, ben voilà, ça commence à venir. Meurs de chaud. Non, non. Mais arrêtez de vouloir mourir de chaud, mes enfants, là. Dis donc, tu vas te changer aussi, toi. Toi aussi, t'es en congé ce soir, hein, Coco. Donc, oh, les cœurs, hein. Ah, et puis alors, il manquerait d'une piscine, c'est un truc de fou. Ah, voilà, t'es quand même mieux maintenant, Flo. Alors, tu vas te prendre une bonne douche, tiens. Allez, une douche tonifiante. Un garçon. Mais c'était qui? Alors attends, mais toi t'as appelé? Oh la vache. On va le laisser gérer. Tu es donc Philippe Martin. Oui, c'est pour toi. Tu vas te plaindre de la canicule. Tu vas discuter avec lui, hein. On va faire connaissance, hein, quand même. Voilà. Hein. Qui sait, peut-être serait-ce un futur amoureux pour petite Geneviève. Amour, tiens, tu vas demander s'il est célibataire, comme ça on saura. Eh, il est pas dégueulasse, hein? Mais pas du tout, même, je dirais. Dis donc, mais on a bien pioché pour un premier. Ah oui! Allez, Geneviève, tu vas jeter ton dévolu sur lui, hein? Bon, il est un peu habillé, je sais pas trop. Tempéré, la température froide. Mais c'est chiant, là! Qui c'est qui vient nous casser les couilles, là, toi? Les gosses. Tu vas le féliciter. Il est imprévisible. Super! Ça, c'est une qualité chez un homme. Hein. Ça y est, toutes les prétendantes arrivent. Mais arrête de vouloir parler à tes sœurs, Coco, là. Alors, attendez, 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 qu'on regarde un petit peu l'étendue du bétail. Pas mal, pas mal, pas mal. Elle, oh, t'as un sérieux problème de maquillage. Elle est légèrement trop chaudasse, mais elle a l'air cute, 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 cute. Attendez, il va aller lui parler, moi. Voilà, hein, on va faire connaissance, tout ça. Ta-ta-da. Tu as raconté une petite histoire drôle parce que tu es un garçon intelligent. Tu vas évacuer le stress avec elle. Tu vas. Oh là là, et en plus, il est chiant, voilà. Ah, regardez-moi ça là. Je suis très tendue, je suis au bord de la crise. Détresse familiale. Il va falloir te détendre parce que tu vas partir en vacances avec toute ta famille. Hein. Donc cool, hein, Joseph, cool. Regardez-moi. C'est pas un garçon pour rien, hein, petit Joseph. Il a vu une nana en soutif, il s'est dit, ça y est, je vais parler qu'à elle. Hein. Et voilà, bah, du coup, il parle qu'à elle. Franchement, Joseph, hein, intéresse-toi un peu plus qu'à la plastique. Hein. L'intérieur est déjà... Parfois, est quand même plus intéressant parce que si tu dois passer ta vie avec l'une d'entre elles, là, regardez-moi, il y en a plein. Il faut au moins que vous connaissiez, que vous entendiez bien, sinon ça sert à rien du tout. Et en plus, elles viennent toutes le voir là. Ah là là, elles en peuvent plus. Bon, t'as le choix, hein, mon Jojo. Hein. Là, elles sont toutes quand même jolies. T'as de quoi faire avec elles.
Tiens, tu vas discuter de la paix dans le monde, tout ça. Et sois pas aussi mauvais, là. Beau gosse que tu es, franchement. Regardez-moi toutes ces belles filles. Ah là 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 là. Dis donc, les deux blondes, là, elles en peuvent plus, Joseph. Hein. Tu leur fais un effet, hein. Tu leur fais un effet fou, là. Pendant que Geneviève essaye, tant bien que mal. Oui, je sais, elle est en sale état. J'essaye de lui faire discuter un peu avec ce jeune homme. Et si tu lui offrais une rose, tiens. Est-ce qu'il est quoi? Est-ce qu'il est... Il est juste imprévisible. On ne sait pas plus. Bon. Ah. On peut toujours complimenter. Voilà, on verra ce que ça donne. Après, elle est très très mal à l'aise, donc ça craint un peu. Non, elle va pas pouvoir. Déjà, tu fais un compliment, c'est déjà pas mal. Hop. Ah, voilà, ça commence. Comment s'est passée la journée, mon cher? Est-ce que tu vas flirter un peu avec lui? Technique de drague, voilà. Bon, Joseph. Ah, ça y est, t'as changé de blonde. Tu préfères Monique maintenant? Regardez toutes ces filles là. Ah, la petite en soutien-gorge, elle s'en va, Joseph. T'as raté ton coup. Quel dommage. Oh là là, ça s'est mal passé pour Geneviève. Bon, il faut qu'elle aille aux toilettes, la pauvre. Elle en peut plus. Alors, ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? Ah, ils vont tomber dans les pommes là. Je vois qu'il y a déjà les fantômes qui sont sortis. Ouais, il est passé minuit donc. Est-ce que tu peux quand même le draguer un tout petit peu? Embrasser les mains. Bon, il n'y a pas trop de place là, mais il faudrait que vous bougiez. Oh, la peau va finir par se pisser dessus. Je te parle en guise de drague. Ça va pas le faire du tout. Ah, mais c'est... Oh, mais c'est nos fondateurs. C'est Pierre-Nard et Jojo. Ah, c'est cool. Mais Pierre-Nard, tu manges bien dans l'eau de l'or. Hein. T'étais pas aussi gros que ça quand même. Oh, mais il est fat, fat, fat. Mais Jojo aussi, regardez-moi ce cul. Punaise, c'est impressionnant, hein. On a hâte d'être en au-delà, c'est pour un gros cul comme ça et un gros bide. Ouais, moi je les ai déjà, donc je suis bien sur Terre par contre. Et Irène qui a décidé aussi de venir squatter la maison à n'importe quelle heure. Bon, Nadine, elle est en pleine forme, la petite. Elle est en pleine forme. Tu vas manger du coup encore un truc. J'ai l'impression qu'elle a passé sa journée à manger, la petite. Donc tu vas manger un truc et puis tu retourneras au lit. Ah, ben Joseph est de retour. Non, non. Joseph, t'es claqué, va au lit. Va dormir, hein, hop. Tu vas au lit, t'es bien. Moi, je m'occupe de Geneviève, là. Est-ce que ça a fonctionné? Oh oui! Mais regardez-moi ça! Ça y est! Dis donc, dis donc, dis donc. Elle commence à avoir du skills, là. Et enlacée. Allez, des petits skills avec... je sais même plus comment il s'appelle. Philippe Martin. Non, mais ils sont mignons tous les deux, ça pourrait être sympa, hein. Notre premier petit couple. Ça passe, oui, elle est très heureuse pour l'instant et tout. Bon, bah ça sent bon tout ça. Regardez, regardez, regardez! Oui! Youpi! Geneviève, elle a marqué des points, elle a marqué des points. Elle est la meilleure. Elle est meilleure que son frère. En même temps, son frère, je me suis pas... assez vite intéressé aux filles. Mais qu'est-ce que tu fais? Monsieur, revenez! Philippe! Philippe, qu'est-ce que tu vas faire? Wesh! Wesh, Philippe! Vas-y! Vas-y, reste là, vas-y, on va te faire une proposition, wesh, t'as vu? Hé! Ah quoi, je vis dans 93, moi, s'il te plaît. Florent, oh, Florent, tu peux manger, tu as le droit. Un homard! Vache! Il nous a fait du homard, Daichi! Enfin, j'espère qu'il a eu en promo parce que bon, c'est chéro quand même, hein. Et t'iras au lit après, mon petit. Geneviève, wesh, vas-y, attaque. Attaque le beefsteak. Mais attaque! Ah, il va s'en aller, mais regarde, Geneviève, qu'est-ce que tu fous? Elle est buggée. Oh non, reviens. Reviens, reviens, monsieur, reviens. Tu vas l'embrasser. Tu vas faire une conversation profonde. Vas-y, vite, il s'en va! Geneviève! Oui, ça y est, on a réussi. Ah. Tu sais quoi? Hé! Allez! T'es une grande fille. Ah non! Tu peux pas y aller!
Tout ça pour rien, tu peux pas. Faut que vous rentriez à la maison. Oh. Et venez ici. Allez, venez à l'intérieur. Je vous en supplie. Je vous en supplie, viendez à l'intérieur. Allez, soyez pas buggés, les enfants. Eh, va, vas-y! Geneviève! Il est dans la maison, il est dans la place! Mais ça va jamais fonctionner ou quoi? Je veux qu'il se décote. Mais quoi? Mais voilà, maintenant il s'en va! Non! Tu as offert un cadeau romantique! Un œuf décoré, je peux pas! Pourquoi? Parce qu'il s'en va, parce qu'elle s'évanouit! Non! Oh, non! Tout ça pour rien! Il peut pas, il s'en va! Au secours! C'est les vacances, c'est les vacances. Ça me fait rire, à chaque fois qu'il chante une chanson, je refais, c'est toujours la même chanson, quoi. Bon, on va s'occuper un peu de tout le monde. Elle, ça va, machin. Et Bichette aussi. Très bien, très bien. Tout le monde se lève tout pour Danette, et puis on va aller bientôt prendre la route des vacances. Bon, avec les Sims, il n'y a pas besoin de se lever tôt, hein. C'est instant. Comme ça, c'est on prend l'avion, on prend la voiture, comme ça. On n'oublie pas les abeilles qui sont furieuses. Voilà le traitement anti-mite. Effet, tu peux nouer des liens. Voilà, tu peux récupérer les seins, récolter le miel, on va faire plein de choses. Elle va pas se faire piquer. Non, ça devait être bon. Voilà. Ah, demain, c'est déjà le 14 juillet. Bah ouais. Ça va être. Enfin, cette fois-ci, on fera le 14 juillet en vacances. Hein. Et pas à la maison. Je sais pas si ça va fonctionner, par contre. On verra. Mais viens! Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de venir là, Gigi! Oh là là! Voilà. Tu sais quoi? Maintenant, tu fais polliniser les plantes. Voilà. Voilà, elles prennent toutes. Tu vas tout vendre. Et tu vas tout arroser aussi. Voilà. Hein? Et après que t'aies fait tout ça, on se casse. Allez, 1600. Voilà, là je les vois bien. 1600. Il y a une arnaque. On me met qu'une seule fois 1600 alors que j'avais plusieurs fois 2000 et tout. Bah, il y a un truc qui couille là. C'est pas possible cette histoire de jardin. Il est buggé mon jardin. Ça, c'est spécial pour les petites coquines qui aiment bien voir Daifi dans leur bain. Dans son bain, je veux dire. Ouais, il y en a dans les commentaires, elles ne voient que ça. Donc là, c'est spécial dédicace. Et pour les vacances, nous allons partir 3 jours à Granite Falls. D'un budget de 2679 Simflouz. J'ai pris le plus gros truc parce que on est quand même pas mal, et il nous faut des chambres. Avec 4 chambres et 3 salles de bain, ça devrait le faire. Et nous voilà dans notre maison. Ah, alors la chambre parentale, déjà, elle est là. J'espère déjà qu'on aura aussi une chambre pour bambin. Ah, bah il y a. Super. Alors, 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai des ados. J'ai pas de lit pour bambin. Et ça, c'est chiant, hein. Regardez-moi la bichette, là. Elle va courir partout. Ouais, c'est les vacances! Ouais, c'est trop bien! Ah voilà la garde forestière qui nous rend visite, donc on va pouvoir lui poser quelques petites questions. Qu'est-ce qu'on peut demander du coup? Je crois qu'il y a des trucs à demander. Voilà, des informations sur le camping. Hop, j'y suis allée qu'une seule fois moi à Granite Falls depuis que j'ai le pack, donc ça remonte à loin, parce que en plus c'était avec le Ugly. Et c'était loin, et puis en fait on n'apprenait pas grand-chose, j'ai juste été dans la forêt et on a récupéré plein de bestioles. C'était rigolo. Puis voilà quoi, c'était déjà pas mal. Oh bah du coup Joseph il a tellement rien à faire. Il y a des insectes qu'on avait mangé. Lui il a chopé un insecte justement. Il est en train d'apprendre à sa petite soeur. Mais c'est trop cutie. Tu fais quoi toi? T'es aussi en train de manger. Eh, tu vas grossir Geneviève, fais gaffe à ce que tu fais. Tu vas aller aux toilettes, tu vas être douché, tout ça. Hein. Ah! Non, 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 non. Alors c'est. Nous allons prendre Florent. Florent, il va faire de l'éducation, il va discipliner le loin, il va être sévère, hurler dessus. Voilà, c'est pas parce que il y a pas de. C'est pas. On n'est pas à la maison que tu dois faire des conneries, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Miam, un bichoco guimauve. Non, non, très bien. Hélène, hein, t'es vraiment une relou, hein.
Saleté, là tu me nettoies ça et tire aux toilettes. Alors, du coup, on va acheter un peu de matos. Mais il y a quelqu'un là-dedans ? Moi, je le vois pas. On va acheter. Parce que si on va de l'autre côté, une glacière en fait, c'est pour pas. On va en prendre une. Ah, mais je peux acheter un lit pour ma bambine ? Ouais. Eh ben écoutez, on va le prendre. Comme ça, elle pourra dormir parce que sinon, on est dans le caca. Et nous sommes dans la forêt de Granite Falls, bien sûr. J'ai fait venir que lui, donc je vais amener tout le monde quand même. Hein, il est 16h, il y a le temps de faire des choses. Voilà, il y a les toilettes, il y a un bar, il y a tout ce qu'il faut. On peut passer toute notre vie ici. Ah non, c'était un bar, c'était. Ouais, je sais plus. Par contre, ouais, pour se retrouver là-dedans, ça va être sympa. C'était ici que j'avais chopé une libellule qui valait genre de ouf des sous et tout. Je vais mettre tout le monde à la pêche. Voilà, tu vas venir pêcher. Tu vas venir pêcher. C'est bientôt l'anniversaire d'Hélène. À qui compétence pêche? Bah ouais. Bah tu peux pêcher aussi toi, non? Ah non, d'accord. T'es Keblo? Bah tu feras le père de famille, tiens, tu vas aller creuser ici du coup. Ça te fera hein. Voilà, on va explorer les environs. Alors, vous voyez comme c'est beau, hein. C'est magnifique, hein. Et ce qui est dommage, ouais, on les voit tous de loin, c'est super mignon. Mais ce qui est dommage, c'est que cette eau magnifique et cristalline, on peut pas nager dedans! Mais bon, il y a un superbe petit rayon d'arc-en-ciel, je veux dire rayon de soleil, mais non, c'est qu'un arc-en-ciel. Donc voilà, tout le monde se met à la pêche. Lui, il a déterré quelque chose, c'est bien. Bon, écoutez, on s'occupe comme on peut. C'est les vacances, quoi, voilà. Geneviève, elle est déjà plus, elle, pensive dans les nuages. Elle pense à son petit amoureux. D'ailleurs, est-ce qu'il peut venir, son amoureux? Ça, on sait pas. Invité en vacances? Écoutez, on va l'inviter en vacances. Ça veut dire que notre petit jeu... Ah! Ah ouais, il pop comme ça, le mec! Ah, c'est trop cool! Faire connaissance... Mais non, mais reviens! Tu vas revenir, tu vas pas... Voilà, attendez. On arrive à le faire venir en vacances. Oh, il y a un ours. Mais ça veut pas dire que... Hein? Voilà. Ah, d'accord. Allez, cocotte, c'est pas grave. C'est pas grave. Et on invitera aussi une copine à Jojo. Hein? L'histoire qui continue aussi, c'est de faire des conquêtes. La frustration. Je peux pas inviter plus de personne. Donc, ouais, bah écoute, voilà. Et puis, faudra que tu t'occupes de ton copain avant de... Il est là, le machin que j'avais pris une fois. Tiens, Joseph. Tu... Non, tu fais... Oh, c'est quoi ce truc horrible? Et ça, ça vaut super cher, ça, en plus. Donc, vas-y, Joseph. Oula, petit problème de bras. Ah, il est où? Mais... Collectionne les insectes. Ah, d'accord, ça se téléporte et tout. Et alors, il a reçu une luciole dragon, et ça, ça vaut super cher. 600 simflouz. Voilà, je savais que ce spot-là, c'était le meilleur spot. De retour dans la maison de l'amour. Gigi, hein, on n'a pas de majordome cette fois, donc tu vas nous servir le dîner. Tu vas nous servir le dîner des boulettes de viande à l'italienne. De toute façon, elle est bonne en cuisine quand même, Gigi. Il est où le gars? Philippe Martin va arriver. Ben voilà! C'est comme ça, c'est cool. Comme ça, on va pouvoir enfin conclure à quelque chose pour Geneviève. Ah! Il est là. Tu vas parler des rêves. Tu vas l'enlacer. Tu vas lui refaire un bisou. Voilà. Lui, il faut pas qu'il soit dans le coin parce qu'il va mal le prendre. Tu vas aller aux toilettes, Joseph, tout ça, quoi. Tu vas t'occuper de toi un petit peu. Ah, voilà. C'est mieux comme ça. Ça va mieux, 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 mieux. Oh la coquine, regardez-moi ça. Hop là! Un bécotibécotin avec Philippe dans le lit des parents pendant les vacances. Oh là là, franchement, Geneviève. Hein. Ah là là, l'éducation, c'est pas où tu l'as eu, mais c'est pas chez nous. Hein. Enfin, comment ça va, tout le monde? La petite, elle mange aussi. Oui, c'est cool. Ah d'ailleurs, en parlant de la petite, lui, il est en sale état. On va sortir son lit. Oh, trop cool, elle va pouvoir dormir, on peut la faire dormir là. On va la faire dormir là, c'est bien, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Comme ça, elle pourra dormir, et ça c'est une bonne nouvelle. Eh mais,
Ils ont remis ça une deuxième fois. Oh là là. Ah, ça va plus, hein. Gigi, tu peux aller aux toilettes aussi si tu veux, du coup. Aïe, 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 ça va faire un choc. Va se voir sa fille. Vision impossible oubliée. Ah bah oui. Oh mon Dieu, ma fille. Bah ouais, mais bon. Bah tu vas aller à l'étage, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu vas faire pipi là-haut. Voilà, ta fille, elle expérimente les choses de la vie. Comme toi, tu l'as fait, mais tu l'as fait quand même plus tard qu'elle, j'avoue. Oh, Joseph, il s'occupe de sa petite sœur. Bon, par contre, on va peut-être éteindre ça parce que sinon, elle va jamais dormir, la petite. Voilà, ça c'est bien. Parfait. Bon, Geneviève, tu peux l'envoyer chez lui, hein, comme ça on pourra inviter les copines de ton frère plus tard. Voilà, il rentre chez lui, tu vas te laver, tu vas manger et tu vas dormir. Parfait! Youhou! Rentrer chez soi. Oui. Tant que c'est pas nous qui rentrons chez nous. Allez, chérie, c'est les vacances. Allons-nous détendre. Oh oui! Florent, quelle bonne idée tu as. Allons étrenner ce lit qui a déjà servi deux fois pour notre fille, parce que c'est une grande coquine. Et faisons-nous plaisir. Oh oui! Bon, elle est partie. Mais va te coucher plutôt, hein. Tu manges et tu vas au lit, cocotte, parce que sinon, tu vas pas y arriver. Voilà. Hein, Geneviève, ça fut une bonne journée pour toi aujourd'hui. Allez, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve la prochaine fois pour la suite des vacances à Granite Falls du DK Challenge. Et de qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas encore. Moi-même, je ne sais pas. Je vous embrasse très très fort. Allez, salut.